Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc j'ai été inspirée par la chaîne Sylvie Scrapsil sur son petit livret sur les attestampes. Donc en ce moment c'est la grande folie des attestampes. Bah ouais, j'en ai fait. Ben, comme ça m'a inspiré son petit livret, moi j'en ai fait un, mais pour trois ATC, puisque pour, pas des ATC, pardon, des attestampes. Comme on sait que c'est donné par trois, série de trois, donc c'est pas comme l'ATC que vous allez en offrir un sur. Ce sont des séries, les ATC. Là, vous avez une série de trois. Voilà. Et vous êtes obligé de donner les trois. Voilà, c'est un thème voulu, choisissez votre thème et puis voilà. Alors, je vous présente la petite chose, très sympa, toute mignonnette. Alors, c'est assez facile à faire, si vous n'avez pas de matos, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même, hein. Bon, moi, sur celui-là, j'ai mis donc une fermeture comme ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, un trou. Dans celui qu'on va faire au tuto, il y aura une ficelle. Voilà, parce que c'est un côté, je vais faire un petit côté shabby, là celui-ci c'est un petit côté vintage. Voilà. Donc pour ce faire, vous faudra du papier. Il vous faudra, d'après le thème que vous allez faire, les embellissements. Il vous faudra, qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Ben, un crayon, du papier, oui, un massicot, si vous avez, avec un genre de scorpal. Enfin, moi, c'est le Wear Memory Keeper. Donc, il a les deux. Donc, voilà, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le faire avec la règle. Moi, souvent, quand c'est petit comme ça, je ne sors pas la bébête. Alors, je le fais directement avec ma règle et ce petit outil. Vous savez, où il y a des petites boules au bout. Voilà, je prends la plus grosse parce que la petite troue le papier. Vous prenez la plus grosse et puis voilà, hein, c'est fait. Hein, en 5 minutes, c'est fait. Voilà, donc je vais vous donner les dimensions. Alors, pour ce faire, donc il vous faudra un papier. Alors, on va commencer par par la couverture, pardon. Donc, je vais vous montrer quand même l'intérieur. Je ne vous ai même pas montré. Alors, voilà. En fait, c'est comme un petit livre, voilà. C'est tout bête. J'en ai mis trois. Voilà. Parce que comme c'est tout petit, bah voilà quoi. Donc ça rentre facilement. Alors bon, moi j'ai mis une petite marge quand même là. Vous voyez, moi, une fois bien serré, ça fait pas beaucoup, hein. Donc là, j'ai mis quand même pas mal. Vous voyez sur la distance là. Donc je peux en mettre des très gros ou mettre une grosse fleur, ça gênera pas. Voilà. C'est assez mignon. Donc, moi j'aime bien. Hein. De toute façon, tout ce qui est petit comme ça, moi j'aime bien. Voilà, donc on est parti. Donc, un papier de couverture. Tant qu'à faire recto verso si vous avez. Sinon, ben, tant pis, faites comme moi. Hein. Moi, c'est dans les chutes. Hein. Voilà, chute. Donc ensuite, 12. Ici, 12. Et ici, 8,5. D'accord? Donc ensuite, pour faire ce marquage, on va se servir du milieu, puisque c'est 12. Donc vous avez 6. Et là, à ce moment-là, vous prenez, si vous ne l'avez pas, je vous dis, vous le faites au crayon. Vous prenez donc votre repère. Par exemple, vous avez mis un petit point, comme j'avais mis moi, on ne le voit presque plus, mais il y est, hein. Ici à 6 cm. Vous vous mettez sur un trait, en fait sur un trou, hein, sur un trou il faut se mettre, voilà, là. Et vous allez tirer de chaque côté de ce petit point, vous allez tirer ici et ici. Un trait de chaque côté. Et là vous allez avoir 0,7 à peu près, hein, entre 0, ça dépend des scorpales. Mais normalement, c'est ça, c'est 0,7. Parce que vous en aviez 1, 2, 3. Et si vous regardez, pour arriver à 1 cm, vous en avez 4. Donc ça vous fait du 0,7 à peu près. Hein. Donc je répète, 12 cm. Vous mesurez, vous mettez un petit point léger à 6 cm.
Vous positionnez dans un trou n'importe lequel. Là, je suis sur le 3. Je sais pas si vous me voyez. J'espère que oui, quand même. Bon, je vais mettre par là. Regardez. Voilà, comme ça, au moins. Vous voyez, mon petit point est là. Je me mets dans un trou. Hein, on va dire dans une vallée, pas sur une montagne. Voilà, dans la vallée. Et je me positionne, vous voyez, ils sont exactement. Et là, je vais faire côté gauche, un trait du côté gauche, je saute, un trait de ce côté. Et voilà, vous avez donc votre petit rebord, comme ceci, de 0,7 à peu près centimètres. Ensuite, on va faire donc, on va avoir besoin de 3. Vous voyez ici, je me suis trompée. Voilà, mais ça arrive, hein, c'est pas comme je l'ai fait à la main, ben, j'ai tiré avant alors que c'était plus loin. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc ici, c'est pareil. Pour les pages, on va avoir besoin pour les pages de 3 fois 7,5 cm sur 5,5 cm. Donc, je vais vous montrer sur ce toche là. Ça vous fait ça en fait. Ah, mais là je suis en inch. Donc là vous n'allez rien comprendre et là vous n'allez pas y voir. Donc, comment faire? Donc en fait, vous êtes à 5,5 au bout. Donc vous allez positionner votre. Voilà, je vous l'explique de ce côté là à peu près, au milieu. Comme ça, vous ne comptez pas les inches. Hein. 5 cm, ok. Donc 5,5, d'accord. Comme vous pouvez le voir, mon trait, alors je vais le mettre de l'autre côté, vous y verrez peut-être mieux. Sur du blanc, voilà. Comme tout à l'heure. Je me positionne dans le même sillon pour pas en faire un autre. Parce que gourde comme je suis, je serais capable d'en faire un autre. Donc 5,5 cm. Là. On est sur 5,5 cm, c'est une montagne, hein, vous le verrez. Enfin, moi, il tombe sur une montagne. Donc, bon, voilà. Et là, vous allez faire donc dans deux vallées, c'est-à-dire 0,5, vous allez faire votre trait. Voilà. Et là, vous aurez votre limite pour pouvoir le coller. Ici. Vous le faites sur les trois, bien sûr. Alors ici, pour pouvoir caler vos attestampes, j'ai fait donc à la perfo, coin, c'est celle-ci. Le trois quarts du temps, on fait d'abord l'arrondi et ensuite on fait ces trucs-là. Si vous ne les avez pas, vous prenez pas la tête, vous faites une fente, vous calculez un peu votre petit triangle. Et vous calculez et vous faites une fente. Alors je vais vous dire à combien. Non, j'ai pas pris la règle. Ben, j'ai pas pris la règle, donc je vais regarder sur le massicot. Ici, choubidou. Voilà. Je replace ma truc là. Alors je vais vous dire ça. Donc là, c'est un centimètre. Donc je vais vous dire. Je sais pas si vous me voyez. Voilà, ici, là sur les côtés, on a les centimètres. Hein. Donc, on va dire que l'angle va jusqu'à 2 cm. De la pointe à ici et de la pointe à là, 2 cm. Vous laissez à peu près, allez, il doit y avoir grosso modo, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais il doit y avoir 2-3 mm ici entre le bord. Et le premier trou que j'ai fait. Donc là, ben, vous mettez 2 mm à peu près, 3 voire. Hein. Allez, je vais peut-être arriver à le mesurer, mais je ne vous promets rien. Alors, ça fait quoi? Ça fait. Ouais, c'est ça. Hein. Ça fait 3 mm à peu près. Hein. 3 mm, ça fait ici. Ouais. 2, mais mettez 2 par sécurité. Voilà, 2 mm ici. Et vous tirez, et 2 mm ici, vous faites un petit point. Et vous tirez avec votre cutter, vous faites une petite encoche tout bêtement. Hein. Voilà, c'est tout simple pour pouvoir rentrer votre attestampe.
comme ça. Parce que vous voyez, moi, il y a les deux et je l'ai mis dans le plus grand, hein. Je ne l'ai pas mis dans le tout petit, hein. Voilà. Donc ensuite, on va coller les aiguilles, les trois pages. Donc, celle-ci, là, me paraît un peu plus grande. Donc, on va plier une fois que vous avez fait tous vos trous. D'accord? On va plier. Voilà. Celui-ci aussi. À quelque chose près, ça devrait le faire. Après, si c'est pas très droit, bon, c'est fait main, hein, c'est pas. Le dernier. Voilà, que je vais mettre en premier d'ailleurs, parce qu'il est beaucoup plus joli. Alors là, vous regardez que ce soit bien égal ici. D'accord? Et le dernier, on va les coller ensemble, d'accord? Donc pour ce faire, on se met ici, on écarte ici et on colle. Alors comme j'étais au bout de ma colle, j'espère qu'elle va pas. Alors on en met un peu ici et on va étaler sur les deux en fait, hein. Voilà. Après, vous essuyez tout ce qui dépasse, hein, bien sûr. Ma petite lingette, hop, hop, hop. Et là, eh ben, on va venir. Ah, ben voilà, j'ai bougé. Hein. Ben, c'est toujours comme ça. C'est quand on filme pas, on bouge pas. Puis quand on filme, ben, catastrophe. Voilà, vous pouvez même le coller à plat. Hein. 31, 32. Voilà, et là, il me restera donc. Alors, je vais aplatir un peu quand même. Voilà. On fera sortir la colle en trop. Je le repositionne en L. Je le replace sur ma dernière page. Que je vais. Je crois qu'elle s'est déplacée. C'est la dernière qui. Ouais, c'est la dernière qui. Sinon, vous mettez des petites pinces. Moi, quand je galère, je mets des petites pinces. Ça va très vite. Et voilà. Donc, pareil. Mettez un peu de colle sur les deux. Et là, vous allez, hop, aplatir. Voilà. Je vais essuyer. Voilà, normalement, je dis bien, si vous suivez comme moi, vous mettez vos ongles ou vous refaites un petit coup de zigouigouille comme ceci, vous le mettez bien droit. Voilà, du temps, on va laisser sécher un petit peu. Vous voyez, tout est collé, les trois sont collés. On va laisser sécher un petit peu et on va s'occuper donc de la structure. Donc, moi, j'ai fait deux fonds intérieurs. Comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, faites ce que vous voulez. Ça, c'est, ça fait partie de la déco. Mais pour le fermer, j'ai décidé de mettre une ficelle. Une ficelle. Voilà. Donc ça, hop, je vais coller ma ficelle d'abord. Donc, je vais mettre un coup de double face. Voilà. Je l'ai mis un peu trop long, je crois. Allez, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai décidé de coller. Quoique, c'est vrai que je ne l'ai pas nettoyé. Donc, j'enlève mon double face. Je vais. Ah ben, décidément, elle est tombée. Je vais coller ma petite ficelle. Alors moi, je colle jamais au bord ainsi. Hein, je colle toujours vers le entre le milieu et pas le milieu, comme vous voulez.
ça le jette. Et j'ai décidé donc de mettre une jolie image, puisque moi il sera sur le thème chabi. Donc là, ben, hein, on colle tout bêtement. Voilà. Et on fait comme ceci. Voilà. J'appuie un peu parce qu'avec la petite coquinette de la ficelle, vous pouvez mettre un petit ruban, vous pouvez mettre. Là, j'ai décidé de faire un mix vintage chabi. Donc je mets j'ai mis une petite ficelle. Voilà. Voilà, ça c'est le dos. Pour le devant, on va mettre. Je vais mettre cette jolie petite rose. La voici, la voilà. Alors je vais pas trop la rentrer de façon à pouvoir enrouler ma petite ficelle autour. Bon, elle est longue, hein, je vais la couper après. Hein. Donc là, ben, vous calculez, vous mettez face. Voilà, vous mettez comme ça, vous aplatissez, puisqu'il n'y a rien de collé encore. Et vous voyez un petit peu où vous voulez la mettre. Bon, moi je pense que je vais la foutre par là. Ce sera très très bien. Je vais prendre mon outil pointu. Comme ça et crac, voilà, ça suffit, c'est juste pour passer. Donc là je passe ma petite rose sans trop la rentrer, je vais juste écarter et coller un petit bout de, comment ça s'appelle, de double face. Voilà. Alors, je vais la positionner comme ceci, dans le sens de ma ficelle. Voilà. C'est juste pour. Alors, je vais laisser le papier. Hein. C'est juste pour éviter que ça ne me déchire le papier. Voilà. Et là, je vais la laisser comme ceci. Vous voyez, je peux passer en dessous facilement. Donc, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez même l'enrouler ici, là. Pour moi, elle a un petit trou ici, donc facilité. Hein. Voilà. Donc là, ça va protéger mon papier pour éviter qu'il ne se déchire et que le bras tourne, parce que c'est en tournant que ça déchire le papier, d'accord. Donc je laisse le papier. Voilà. Donc ensuite, je vais faire quoi? Pendant que toujours mon truc colle, je vais coller mes fonds. Alors mes fonds, je vais les coller. Avec ça, bon, je les colle jamais avec ça. Là, je le fais pour que ça aille plus vite pour vous, pour le tuto. Malgré que j'ai mon ciseau qui colle, je vais essayer quoi. Voilà, j'en prends un autre. Voilà, en principe, moi, je mets toujours de la colle. J'étale bien, je fais sortir ma colle. Bon, voilà. Après. Là, c'est juste, on va dire, un parement. C'est un petit pour cacher le blanc qui n'est pas très bon. Je pensais qu'il était recto verso cet album. Ben non, pas recto verso. Donc, hop, hop. Ah, voilà. Bon, on refait pareil. Vraiment, il m'énerve. Hein. Faut que je nettoie l'acétone. J'ai fait des trucs collants hier. Donc, ça colle, évidemment. Voilà. Ensuite, on va se mettre dans le bon sens. Hein, tant qu'à faire. Bon, ça, c'est le devant, c'est le derrière. Que je foute pas mes. J'ai pris des petites cages d'oiseaux. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Bon, c'est pas. Hein. Alors, si monsieur, pourtant j'ai des ongles, mais
Voilà quoi. Hop. C'est toujours quand vous voulez aller vite, sauf que ça va doucement quoi. Bon, j'espère que vous m'entendrez mieux avec Jérôme, mon ancien appareil. En attendant de contacter le vendeur qui m'a vendu mon caméscope là, pour faire mes vidéos, parce qu'on n'entend rien. C'est vrai, hein, je reconnais. Hein. Je reconnais qu'on n'entend pas grand-chose. Alors là, vous essayez de. Voilà. Donc logiquement. J'enlève celui-là, tout va bien. Et j'enlève celui-là, tout va bien. Voilà, ça c'est fait. On va faire l'autre côté. C'est pareil. Vous défaites. Des fois, elle se colle très très bien. Alors, des fois. C'est pour ça qu'avec la colle. Mais ces papiers-là sont tellement fins. Les petits blocs, vous savez, ceux-là. Voilà. C'est tellement fin qu'il faut éviter de coller avec de la colle. Hein. Sinon, scandaleux quoi. Ça fait des bulles. C'est pour ça que là, j'ai préféré. Bon, il ne veut pas se défaire. Alors, je vais défaire le premier. Dans 10 ans, j'y suis encore en train d'essayer de défaire mon truc là. Allez, choubidou. Hop. Même avec le pic, j'arrive pas à l'enlever, vous vous rendez compte? Ouais, parce que moi, quand j'appuie, j'appuie quoi. Je suis scandaleuse. Bon, ma gonflée, oh. Alors, aujourd'hui, je sais pas vous, mais nous, on a une vente de folie. Et on se gèle les. Voilà. Hein? On est. Enfin, moi je suis dans la maison, là, je suis gelée. On a 11 degrés. Un truc de malade, quoi. Voilà. Voilà, moi je défais comme ceci. Donc, parce que là j'ai la rose qui va me casser les bonbons, comme on dit. Donc là j'essaye de me repérer par rapport à l'autre. Parce qu'avec la. La demoiselle a un peu mieux. Vous voyez, alors j'aurais dû le mettre avant parce que. Faites pas la bêtise que je viens de faire. Et là, vous enlevez et voilà, c'est collé. Vous allez mettre un petit coup de chaque côté, histoire que tout se colle. N'est-ce pas? Oui, mettez votre papier avant de mettre votre fermeture parce que. Vous avez vu, j'ai été embêtée. Voilà, donc ça donne ça. Maintenant, on va coller notre structure puisqu'elle est sèche. D'accord? Donc la petite structure, alors là, elle est un peu longue, je vais la couper. Normalement, regardez, ça fait ça. Vous allez le voir, Simone Neandertal. Alors... Voilà. Et ça ne gêne en rien, hein. Vous pouvez... mettre de l'épaisseur, il n'y a pas de souci. Vous le voyez dans l'autre, c'est la même fermeture et la même structure. Les trois pages sont collées les unes aux autres. Il n'y a pas de souci. Sauf que là, il a coupé. Vous voyez ici, j'ai un bout en trop. Donc, je vais l'enlever tout bêtement. Je vais faire un peu de ménage parce que moi, travailler avec de la. Hein? Je peux pas. Donc, voilà. J'enlève juste mon surplus. Si vous voyez que ça rentre pas, mettez un petit coup de cutter. Vous retrécissez. C'est parce que des fois, quand on fait les traits, ça déborde. Bon, voilà. Voilà. Là, j'ai arrangé un peu. Hein, j'ai fait un peu à ma sauce. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va coller directement dessus. Hein. Voilà. Alors, vous le positionnez au milieu, et voilà. Ni plus ni moins. Hein. Et vous avez votre petit livret. Après, vous le décorez. Faites comme vous voulez. Enfin,
Et moi, ça a collé tout de suite, hein, avec la taquiglu en principe. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, c'est pas très droit, mais bon, ça me fout. Hein. Enfin, ça me fout. C'est parce que j'ai recoupé au ciseau. Hein. Si vous le faites au cutter, vous savez quoi? Je vais le faire au cutter. Pas plus joli. Des fois, je dis je m'en fous, mais après, j'arrache tout, je refais tout. Alors, donc, ça sert à rien. Donc maintenant, il me faut pouvoir couper au cutter. Ça, c'est compliqué. Je vais me mettre un petit bout de carton. Comme ça. Voilà. Vous mettez une règle en fer. Et là, je vais recouper droit comme il faut. Enfin, normalement. Si monsieur coupe bien, ça devrait le faire. Voilà, c'est nickel chrome. Il s'est collé sur le carton. On ne t'a pas dit de te coller sur le carton. Voilà. Donc vous pouvez le voir. Même si c'est plus court, hein, c'est pas gênant. Hein. Après, moi, c'est parce qu'il s'est collé de traviole. Hein, c'est tout. Hein. Ou du moins, c'est mon massicot qui est tellement droit d'ailleurs. Je sais pas si vous avez des retours du Wear Memory, mais alors c'est le dernier que j'achèterai. Parce qu'alors il coupe en travers. Comme une fois, je suis obligée de reprendre. Le jour où je vais trouver, je vais me prendre une guillotine parce que j'en ai marre. À chaque fois, je suis obligée de reprendre tous mes papiers. Alors c'est rigolo quand vous faites un album, perdez un temps fou. Voilà, là, donc si je le mets à l'ambière, ça ne va pas le faire. Donc là, hop, on dit ce qu'il y a. Et là, vous collez tranquillement aux petites pages. Oui, c'est plus joli quand même, hein, quand c'est droit. Voilà. Vous pouvez même, comme je vous ai dit, l'aplatir. Je sais pas si c'est droit, je ne vois pas. C'est surtout sur celui-là qu'il faut pas que ça gêne ici pour que ça puisse, vous voyez, fermer. Voilà, comme vous voyez ici, ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, vous le laissez sécher. Vous voyez, moi j'ai prévu de faire ça en fait. Voilà, juste un petit tour comme ça avec une petite ficelle qui va venir se coincer ici. Voilà. Juste comme ça. Donc je défais ma petite ficelle. Je vais coller donc à testampe, hein, pour qu'on sache ce que c'est. Alors il n'y a pas le thème parce que je ne l'ai pas mis encore. Donc vous avez de la place. Donc si vous devez mettre des choses, profitez qu'il est à plat. Mais bon, moi je le fais après. Ça ne me gêne pas. Je le mets comme ça. Et voilà. Voilà. Ensuite, on aura quoi? Bah après, c'est la déco. Hein, donc la déco. Voilà, moi ça va être un garden tea un peu, un truc comme ça. Bon. Là, j'ai des petits tags tout mini. Voyez, pour mettre voilà, donc ça sera décoré. Voilà, donc là vous allez voir, hein, je vais prendre ceux qui sont ici, donc on les sort bien sûr par là. Vous voyez, ça tourne très très bien, hein. Donc on va les rentrer, hop là, j'en ai qu'une, ouais, donc on les rentre comme ceci. Bon, c'est un peu chiant parce que le papier est rigide. Hein. Voilà. On tourne. On met le deuxième. Voilà. Et on met le troisième.
Ah, elle est dans le trou, choubidou. Voilà, vous voyez, pourtant il y a de l'épaisseur. Voilà, regardez. On va faire hop, 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 hop. Alors, je vais voir. Voilà, et voilà. Voilà, vous voyez? Alors que ce soit une fermeture comme ceci, j'enlève ma petite ficelle. Hein. Petite ficelle. Voilà, que ce soit une fermeture comme ceci ou avec une petite ficelle, c'est pareil. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez compris et que ça vous aura plu surtout. Et de toute façon, au montage, je vais remettre les dimensions, hein, bien sûr. Et surtout le nom de la chaîne de Sylvie, puisque ça m'a inspiré de voir, puisqu'elle l'a fait, mais pour un attestamp. Alors j'ai dit, pourquoi pas faire pour la série, quoi. Voilà. Donc, voili-voilou. Ensuite, je vais donc rajouter des petites anecdotes. Vous voyez, comme ceci. Un petit nœud, des petites babioles, et voilà, ce sera très joli, c'est très bien. Voilà, tout simple. Hein. Après, c'est à vous de voir comment décorer, hein. Ça, la décoration, toujours bien. Parce que moi, je colle, je décolle, je recolle. Je suis un peu comme Béa, moi, je suis une casse. Voilà, je suis jamais satisfaite en fait. Et puis c'est au millimètre près, donc voilà quoi. Voilà, je vous embête pas plus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et surtout, dites-moi en commentaire si le son est meilleur. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.